Alors bonjour tout le monde et bienvenue à une édition spéciale, encore une fois, de Pepito Live Costa Rica. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit coucou, une petite capsule spéciale, juste pour vous partager, en fait, des bonnes nouvelles de dernière heure. En fait, ce qui concerne, fait partie d'une série de mesures du gouvernement du Costa Rica sur la réforme actuelle que le gouvernement du Costa Rica est en train de faire, en fait, pour attirer davantage d'expatriés, d'immigrés ici au Costa Rica. Il y a pas tellement longtemps, on avait parlé de la question des digital nomades. Alors, je me suis fait corriger tantôt pour me dire qu'en fait, c'est pas le bon mot. Même si c'est l'expression populaire, en fait, on est censé dire les travailleurs numériques. Donc, j'ai même corrigé, en fait, ma petite annonce à cet effet-là. Mais les travailleurs digitales, les travailleurs nomades, les travailleurs numériques, en fait, une nouvelle mode à travers le monde, et pas juste au Costa Rica, un peu partout. Donc, les gens qui veulent aller travailler à l'étranger, des gens qui, en fait, c'est des travailleurs en ligne, donc ils peuvent s'installer dans un pays ou dans l'autre. Ils ne sont pas nécessairement obligés d'être assis au Québec, au Canada, dans des bancs de neige pour travailler. Donc, on peut faire le même travail. Donc, à partir du Costa Rica ou n'importe quel pays exotique de votre choix. Donc, le Costa Rica a été un peu réticent face à cette réforme, mais bref, aujourd'hui, le projet de loi est passé en deuxième lecture. Donc, quand un projet de loi passe en deuxième lecture à l'Assemblée législative du Costa Rica, donc ça veut dire en fait que le projet de loi, dans ses principes, est accepté, il est voté, et le débat politique, il est terminé. Donc, il va y avoir une réforme pour les travailleurs ou une loi spéciale pour les travailleurs numériques au Costa Rica très, très, très bientôt. Maintenant, qu'est-ce qui va rester à faire? Je vais vous partager les points saillants ou les points importants de cette réforme-là maintenant. Et maintenant, ce qui va rester à faire, c'est que, en fait, il faut travailler un peu, comme on dit, les détails, en fait, de cette réforme-là. Donc, il reste des détails à travailler. Donc, ce qui reste à faire par la suite, c'est de publier cette loi dans ce qu'on appelle au Costa Rica la Gazette, donc dans les médias. Et puis, par la suite, c'est l'approbation, le sceau du président. Et puis, à partir de ce moment-là, la loi devient en vigueur. Donc, on a fait une réforme il n'y a pas tellement longtemps. Habituellement, c'est le genre de processus au Costa Rica qui peut prendre quelques mois. On a fait une réforme généralement, mais dernièrement, en fait, pour réduire la catégorie d'expatriés qui voudraient venir, réduire le seuil d'investissement pour les nouveaux expatriés au Costa Rica. Avant ça, on parlait, en fait, une des façons d'avoir sa résidence au Costa Rica, c'était d'investir 200 000 $ US. Maintenant, il y a eu une réforme et puis maintenant, ce seuil-là a été réduit à 150 000. Donc, en fait, l'étape finale, en fait, pour mettre cette nouvelle loi-là en vigueur a été quand même assez rapide. Je pense que ça s'est fait à l'intérieur d'un mois ou un mois et demi. Donc, on anticipe que probablement ce sera la même chose pour cette nouvelle loi-là pour les travailleurs numériques. Donc, la première des choses, les amis, les télétravailleurs ou les travailleurs numériques, OK, ils pourront obtenir un permis séjour d'un an au Costa Rica et cela, ça pourrait être renouvelable pour une autre année. Donc, ça, c'est quand même important et significatif. Parce que avant ça, si vous vouliez venir travailler comme dans votre salon au Costa Rica, si vous avez un contrat de travailleur en ligne, ben en fait, vous n'étiez pas reconnu comme travailleur légal, donc il aurait fallu que vous sortiez faire ce qu'on appelle des border runs à tous les trois mois. Donc, ça devient, pour certaines personnes, à un moment donné, un peu gossant, comme on dit. OK? Donc là, maintenant, vous allez pouvoir être en paix pendant un an, renouvelable pour une deuxième année. Donc, ça, c'est le premier point important. Maintenant, le deuxième point. Si vous avez des questions aussi, des commentaires, les amis, gênez-vous pas via la section clavardage. OK? Donc, de faire les commentaires, je vais tenter d'y répondre tantôt. En fait, on va revoir ces points-là. On va faire une émission spéciale. Je parlais tantôt avec Marcela Gourdian, en fait, qui est notre conseillère, notre avocate spécialisée en immigration au Costa Rica. On va refaire dans deux semaines une émission complète pour revoir l'ensemble
des lois, maintenant, pour comment devenir résident au Costa Rica, incluant une partie des détails de cette réforme-là dont on parle aujourd'hui. Donc, les travailleurs digitaux, OK, auront également la possibilité de pouvoir ouvrir un compte bancaire. Donc, ça, c'est quand même important dans les institutions locales du Costa Rica. Et vous pourrez également conduire avec votre permis votre permis de conduire, OK, du Canada, du Québec ou de n'importe où ailleurs dans le monde. Donc, les gens, peut-être, ça va dire, bon, oui, mais là, c'est pas une si grosse affaire que ça. Oui, c'est une si grosse affaire que ça, parce qu'avant ça, disons, votre permis de conduite au Costa Rica aurait été bon seulement étant et aussi longtemps que votre visa de vacances ou votre visa de touriste ici aurait été en force. Donc, ça veut dire que comme vous auriez été obligé de sortir à tous les 3 mois, donc votre permis de conduire aurait juste été bon pour 3 mois. Si vous ne seriez pas sorti, vous auriez été délinquant, donc vous auriez surpassé votre visa de 90 jours, votre permis de conduire au Costa Rica serait devenu nil et invalide. Donc, et à ce moment-là, vous n'êtes pas assuré. Donc, ça avait toutes sortes de répercussions. Donc, maintenant, la bonne nouvelle, votre permis de conduire va être bon pour 1 an. OK. Un autre détail maintenant. Vous allez devoir fournir une preuve d'un salaire mensuel stable, un revenu fixe ou un revenu mensuel moyen au cours des dernières années ou de la dernière année, si on peut dire, pour un montant égal ou supérieur à 3 000 $. Ici, quand on parle dollars au Costa Rica, on parle dollars US tout le temps. J'ai eu cette discussion-là justement avec tantôt, avec quelqu'un dans un des forums hein, justement qu'on a lancé cette semaine. Donc, on parle de 3 000 $ US, non pas de 3 000 $ canadiens. Donc, soit un contrat, des preuves de paye, des preuves de paiement, des états bancaires, ce genre de choses-là. Donc, ça va être quand même quelque chose. Donc, vous pourrez pas juste venir ici, arriver puis dire, ben moi, je suis travailleur digital. Donc, ça va avoir quand même certaines implications ou travailleur numérique, je m'excuse, mais il va falloir que vous ayez des preuves quand même que vous avez effectivement ce genre de revenu-là. Bon, je vois qu'il y a une question qui est rentrée. Allons voir. Donc, 3 000 $ brut ou net. Ici, on parle net. OK? Donc, le gouvernement veut faire certain, effectivement, que vous avez ces revenus-là accessibles à vous. Mais c'est quand même une très bonne question. OK? Donc, là, après ça, maintenant, si le demandeur, OK, donc de ce statut de travailleur numérique, choisit de demander des prestations pour son groupe familial, OK, les revenus peuvent être combinés et doivent atteindre 4 000 $. Donc, si vous arrivez ici avec votre unité familiale, OK, vous allez devoir faire preuve de revenus de 4 000 $ US, OK, encore une fois, là, par mois, OK. Donc là, il y a des détails plus précis qui vont sortir par rapport à tous ces articles-là, évidemment, dans la prochaine semaine ou 2. Et quand on va refaire une mise à jour avec Marcella, évidemment, on va avoir plus de clarité sur ces points-là. Okay? Bref, ce qu'on vous partage aujourd'hui, les amis, ce sont les grandes lignes. Okay? Donc, dans les deux cas, okay, il doit s'agir de revenus qui peuvent continuer à être perçus, même si la personne n'est pas dans son pays d'origine. Okay? Donc, ça fait partie de l'article tel qu'il a été rédigé par le gouvernement et que je vous ai traduit en français. Donc, vous allez devoir avoir une assurance maladie qui va couvrir le demandeur tout au long de son séjour au Costa Rica. La Direction générale de l'immigration déterminera les conditions de cette couverture-là. Encore là, on va voir les détails, mais bref, je pense que si ça fonctionne un peu comme pendant la période de COVID, l'assurance COVID, vous allez devoir peut-être obtenir une assurance. Il va y avoir probablement 2 options. Donc, une assurance qui va être, qui va être disponible à travers les institutions d'assurance du Costa Rica ou certaines institutions reconnues à l'étranger. Donc, ça va être à voir, mais vous allez devoir, donc, pour être capable de prouver au gouvernement du Costa Rica qu'en cas de besoin de soins médicaux, vous ne serez pas dépendant de l'État du Costa Rica ou la nation du Costa Rica, si on peut le dire ainsi. Effectuer un paiement pour l'octroi d'un visa de non-résident en tant que travailleur ou fournisseur de services à distance. OK? Le montant, encore là, va être annoncé. Donc, vous allez devoir faire une demande au gouvernement pour avoir ce statut de travailleur numérique-là. Et vous allez également avoir à payer un frais. Combien? Hoy no lo sabemos. OK? On ne le sait pas.
Donc, mais on va savoir quand même très, très, très bientôt. Ça, ce sont les points principaux. Il peut y avoir quand même quelques autres modifications ou quelques autres, mais ce sera juste des détails, ce sera quand même mineur dans les jours à venir. Donc, ce qu'on dit aussi, c'est que toute autre exigence découlant de la loi générale sur l'immigration et sur la loi de l'immigration 8764, c'est le nom de la loi. Donc, ça, c'est juste pour vous embourber un peu d'administration, de bureaucratie après-midi. Essentiellement, les amis, voilà, c'est ça. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui veulent venir vivre au Costa Rica. Ça va être une bonne porte d'entrée raisonnable. Ça va attirer, on sait, davantage une population jeunesse au Costa Rica. C'est quelque chose que le gouvernement voulait faire. Évidemment, à travers ça, le gouvernement du Costa Rica, lui, va espérer qu'il y a à travers de ça des gens qui vont décider de s'installer ici à long terme. C'est un des objectifs du gouvernement. Sûrement, il va y avoir des provisions dans la loi où vous pourrez commencer à convertir, disons, votre statut de travailleur digital dans un statut de résidence temporaire ou permanent éventuellement pour devenir des résidents plus à long terme, évidemment, de ce merveilleux pays. Donc, essentiellement, les amis, je vais juste vous donner les grandes lignes de cette réforme-là. C'est une bonne nouvelle. On applaudit le gouvernement du Costa Rica et puis on espère que très, très, très bientôt, évidemment, on va avoir davantage de détails pour vous. On va refaire une émission avec Marcela Gourdiane sur ce sujet-là et sur les autres éléments de la réforme sur les lois de l'immigration au Costa Rica dans environ 2 semaines, dépendant de la disponibilité, évidemment, de notre experte sur le sujet, Marcela Gourdiane. Donc, les amis, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite capsule d'information spéciale. Alors, n'oubliez pas, lundi prochain, notre programmation régulière, on va avoir une édition spéciale, notre émission Ligne ouverte des francs-parleurs avec mon ami Claudio. Donc, préparez vos questions, les amis. Hasta luego. Gracias. Pura vida.